Nous sommes lundi et c'est la reprise du sport. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. J'avoue. Aujourd'hui, j'ai la flemme. J'ai pas méga super bien dormi. Enfin, c'est pas que j'ai pas méga bien dormi, c'est que je me suis réveillée à 4h. Et impossible de se rendormir. Je me suis rendormie peut-être une heure plus tard. Enfin, je sais pas exactement. Réveillée 7h30. Bref, en forme physiquement. À part que je pense que je me suis un petit peu étirée un muscle au niveau du mollet droit. Mais hormis ça, voilà, un peu fatiguée, un peu naze. Mais c'est pas grave. On va quand même faire... je vais pas pousser trop aujourd'hui parce que voilà, je suis naze. Donc je vais pas non plus... Il faut pas abuser non plus. Mais par contre, je vais quand même faire ma séance de pilates au mur. Ça, je lâche pas. Même hier et pourtant, je revenais de presque 11 km de marche. Je j'ai pas lâché, je l'ai fait quand même. Mais j'avoue, c'était dur. C'était dur, j'ai sué ma race. Mais après, on se sent bien aussi. C'est ça le côté positif. Donc je vais m'installer, je vais en profiter pour vous parler et prendre mes compliments. Je vais pas non plus me casser la nénette parce qu'aujourd'hui j'ai du contenu à fabriquer. Qu'est-ce que je prends comme complément? Du guarana pour la forme, le thé vert qui a un côté brûle-graisse. Je prends bien évidemment mon huile d'onacrimora et bourrache pardon, et du charbon actif. Ça, c'est histoire de se faire des petites cures et puis de se nettoyer un peu. Bon, à part l'huile d'onacrimorage qui est juste essentielle à ma vie, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il faut que je fasse le plein de mes compléments alimentaires. Bref, voilà. Donc, comme je vous ai dit, pas motivée, mais je vais m'y mettre quand même. Hier, j'ai fait ma séance de pilates au mur qui s'est très bien passée. Je me rends compte qu'il y a quelques exercices que je ne peux pas faire parce que mon poids pose souci dans le sens où je n'y arrive pas, mais dans la majeure partie de tous les exos qui sont proposés, je me débrouille plutôt pas mal et jusqu'ici tout se passe bien. Le ratio entre ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, il y a plus de choses que je peux faire que je ne peux pas faire. Donc j'ai fait ma séance hier et pour aujourd'hui, là pour le moment je vais pas la faire, pourtant je préfère le faire le matin parce qu'il fait un peu plus frais, on est mieux, mais là je vais juste boire mon thé et faire l'inverse, c'est-à-dire faire du montage et peut-être après faire ma séance de sport, tout simplement parce qu'aujourd'hui je suis barbouillette, je me sens dans mon bidon, je me sens pas bien, je sais pas. C'est trop bizarre. Donc, je pense qu'il y a de la fatigue aussi qui s'est ajoutée. Mais je compte bien quand même faire ma séance dès que ça me sera passé un peu. C'est pour ça que je me fais un thé. Je vais me poser, je vais faire du montage comme ça. Je reste pas à attendre comme ça que ça passe. Je vais quand même travailler comme ça. Au fur et à mesure du temps de la journée, ça passera. Et puis, quand ça ira mieux, je ferai ma petite séance. Et je ne vais pas faire des séances poussées parce que j'ai pas de... j'ai pas le temps dans le sens où j'ai beaucoup de montage à faire donc et dès que j'ai plus de montage je fais autre chose à la maison. Voilà comment va se dérouler aujourd'hui, c'est à dire que je vais attendre que ça passe en travaillant et dès que ça passe je fais ma petite séance de sport. Je vous tiendrai au courant si je l'ai fait. Il faut que je la fasse, il faut absolument parce qu'en plus ça me fait beaucoup de bien et puis il faut que je travaille mes muscles au quotidien tous les jours donc voilà. On va y arriver, bien sûr. Nouveau jour. Est-ce qu'on est motivé? C'est pas que j'étais pas motivée hier, c'est que j'étais tellement barbouillée que vraiment j'ai eu beaucoup de mal toute la journée, jusqu'au soir, honnêtement. Mais là, c'est bon, tout va bien. J'ai retrouvé mon bidon qui va mieux, qui n'est plus en barbouillette. Je suis en forme. Je suis un petit peu moins fatiguée, etc. Donc, on va chausser les chaussures. Logique. On va chausser les baskets et on va aller marcher un bon peu. Je pense que je vais refaire ma... Oh, ça fait du bien un peu d'air. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps idéal. Il fait super couvert, donc autant te dire que je vais vite chausser les chaussures. Bah, en fait, j'attends la poste. Voilà. Donc voilà, je vais prendre mes pompes et y aller dès que c'est bon. Mais c'est long, là, d'attendre. Surtout que tout est prêt, c'est-à-dire que je me suis occupée de mes monstres, j'ai fait les cages, nettoyé les alaises. Fait aérer, fait mon lit, un petit peu de ménage, etc. Enfin voilà, j'ai carburé depuis, je crois, 7h30 que je suis levée.
Je me suis habillée, je me suis préparée. Pas préparée. J'ai attaché mes cheveux, lavé la tronche. Voilà, j'ai pas fait grand-chose. Je vais aller me brosser les dents. Voilà. J'ai préparé mon sac, toujours la même avec ma gourde, etc. Et j'attends qu'une seule chose. Voilà. C'est qu'il passe pour que je puisse aller vite, vite dehors. Est-ce que je fais ma séance en attendant peut-être de pilates au mur? Ça m'éviterait de perdre du temps. Oui, je vais faire ça en attendant parce que ils ont pas l'air d'être bien pressés. Il est 9h, j'ai eu le temps de faire ma séance de pilates au mur. Toujours bien, toujours contente de faire ça parce que franchement, je sens à quel point ça fait travailler les muscles en profondeur. Donc vraiment, j'adore. Par contre, là, il était en train de pleuvoir, ça s'est arrêté, j'ai l'impression. Donc, j'attends toujours la poste avant de pouvoir me casser. C'est long. C'est très long d'attendre. Voilà. Et en plus, je suis bloquée parce que mon PC est en train de travailler. J'ai fait tout normalement ce qu'il y a à faire ici. Ouais, j'ai quelques bricoles à faire, je vais le faire, mais c'est chiant, j'aime pas attendre. J'aime pas. Si c'était que de moi, je prends mes affaires, mes clics et mes claques et je me casse. Mais je vous avais déjà expliqué nos problèmes de boîte aux lettres. Bref, allez. On va attendre et puis on va se casser dès que possible. Vous connaissez le dicton? Après la pluie vient le beau temps. Bah, il a plu. Et ça a l'air d'aller mieux. Donc ça y est, j'ai pu récupérer mon colis et chausser mes baskets. Et je transpouette déjà. Voilà. Je suis très 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 motivée ce coup-ci là. Franchement, je suis déterminée. Ça fait du coup 2 semaines maintenant, enfin 1 semaine et demie, qu'on a rattaqué le sport et tout. Ça fait trop trop du bien. Je me sens déjà mieux. Déjà au bout de la première semaine, je me sentais mieux. Donc ça va que aller en s'améliorant. Bon, ça se voit que je suis sa grosse race. Bon, bah sensiblement, je vais vous mettre le nombre de kilomètres, mais sensiblement plus ou moins la même chose, c'est-à-dire un peu plus de 10 km le temps que j'arrive. Ça dégraisse, ça fait du bien. Je peux dire que quand tu es rentré, douché, etc., après je me mets sur du montage, etc., comme d'habitude, mais je peux dire quand t'as fait tout ça, t'es rincé, t'en peux plus. Bon, c'est pas pour autant que tu dors forcément très très bien, hein. Ça dépend des nuits. Regarde, cette nuit, plutôt bien dormi, mais voilà, je me réveille vers les 4h du mat en ce moment. Bon, c'est pas très grave en soi, j'arrive à me re-endormir un petit peu. Je suis réveillée à 7h30 et puis j'attaque directement ma journée et tout, avec le sport et tout. Mais quand t'es pas bien fatigué et que tu dors pas bien et tout, c'est compliqué. Mais là, je suis très très en forme. Ça fait plaisir. Bon, bah écoutez, je rebrousse chemin, je finis mes derniers kilomètres, je rentre, je douche et finito pipo parce que je t'avoue, je n'en peux plus. Petite parenthèse au passage, je suis hyper contente de savoir que ça vous motive, etc. Hein, franchement, c'est cool, on n'est pas seul dans cette galère. Mais je suis contente de vous motiver et tout. Après, c'est vrai que je vous ai donné l'alternative du pilates au mur parce que je trouve que c'est une bonne alternative quand tu n'as pas forcément le temps. T'as quand même, tu peux réussir à caler genre un petit quart d'heure, 20 minutes, histoire de caler ça. Et que moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien et je trouve ça intéressant parce que ça travaille les muscles profonds. Donc, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas besoin de se faire souffrir comme une bête. Moi, par exemple, je ne peux pas courir. C'est con, mais voilà. Et ben, on essaye de trouver des alternatives, tout simplement. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de se caler 10 bornes tous les jours dans les patounes, hein. Ou tous les 2 jours comme je peux le faire, mais j'essaye de travailler mon cardio en douceur. Ça marche plutôt bien parce que j'arrive maintenant, puis
avec l'âge et l'expérience, j'arrive à calmer mes crises d'asthme sans passer forcément par la ventoline, donc ça c'est cool. Mais voilà, quand on ne peut pas courir par exemple, ou qu'on ne peut pas faire certaines choses, il y a toujours moyen de trouver des alternatives. Moi je suis contente parce que je travaille mes muscles profonds avec le pilates au mur et je travaille mon cardio avec la marche. Mais la marche, c'est pas juste de la marche genre je me promène, c'est de la marche genre avec un rythme soutenu et en contractant tout ce qui est les muscles, les abdos, les machins, les trucs. Donc voilà. Le cadre est sympa en plus, tu vois. C'est cool. Regardez, c'est juste de la marche soutenue, donc avec un bon rythme et tout. Regardez, oui aussi, mais pas que. Mais juste, voilà, en ayant un bon rythme et tout. Et en plus, moi, je vous papote en même temps. Entre les blablades et puis le sport, je vous prends et je vous discute. Donc, bon, ça maintient, c'est cool. Je suis contente. Le tout, c'est de rester motivé, d'être focus dans tes objectifs, etc. Et puis voilà, mais ça fait du bien, ça décrasse. Et comme je vous disais au début, donc au même endroit mais dans l'autre sens, il y a juste en une semaine déjà je me sens beaucoup mieux et je pense que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. Donc je ne vais pas lâcher, je suis pour l'instant assez contente. Vous l'aurez compris, séance de pilates au mur terminée pour aujourd'hui. Je ne vais pas en faire plus parce que j'ai du travail qui m'attend. Je viens juste de finir. Non mais sans déconner, putain. Donc, je viens vraiment juste de finir. Je vais plier mon truc. Je vais aller me laver. Je pue la mort en plus. Je vais aller me... Vous êtes ravis de le savoir. Je vais aller me laver puis je vais me préparer pour... tourner ma vidéo et puis j'enchaînerai aussi sur du montage, bah, comme tous les jours en fait. Mais cette séance là a picoté un peu, hein. Était pas facile, était assez costaud, mais ça fait du bien de forcer. Je sens surtout mes abdos qui se contractent bien et ça c'est cool parce que le but étant, vous le savez, je vous l'ai dit en tout début de défi entre guillemets, de travailler les cuisses et le ventre, et eh bien pour le coup il y a des exercices, j'ai l'impression que ça commence déjà à bien agir au niveau de l'intérieur des cuisses et j'ai retrouvé mes abdos. Alors je n'ai plus mal aux abdos, ça veut dire qu'ils sont bien réveillés, mais par contre ouais, ça travaille bien. Les images parlent d'elles-mêmes. Jour 58 000. Toujours avec mes exos de pilates au mur, ça se passe très très bien. Il y a certains mouvements, je m'adapte vraiment à mon corps et ce qu'il est possible de faire ou pas faire. Et je commence à voir les résultats, c'est ça qu'il y a de fou. En 2 semaines presque, ça fera 2 semaines lundi, je vois déjà des résultats et ça c'est assez fou. Donc je suis très contente. Aujourd'hui, je ne vais pas faire plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai encore du taf, du montage, etc. Donc je vais pas aller plus loin que ça, mais je pense que samedi ou dimanche, j'irai me faire une rando, ça me décrassera un peu. Ça aura fait genre deux rando pour la semaine, c'est déjà pas mal. Je pense que je referai mes 10 km, histoire de pousser un peu. Mais franchement, ça fait du bien et je suis contente pour le pilates au mur parce qu'il y a des exos que j'arrive toujours pas à faire. Il y a des exos qui sont compliqués parce que bah, il faut quand même que je soulève le poids de mon corps, donc c'est pas évident. Mais je me débrouille plutôt pas mal et puis quand j'arrive pas à faire un exercice, j'en fais un autre qui a déjà été proposé que j'aime bien. Et voilà, je préfère par exemple quand il s'agit de coller les pieds au mur et d'être en planche avec ton corps comme ça, vers le bas et tout, je n'y arrive pas, en plus j'ai pas énormément de place chez moi, donc c'est très compliqué. Là je suis dans le couloir, je suis vraiment dans le couloir, tu vois, à côté il y a mon pilipopiète qui me surveille, si je fais bien mon sport, mais voilà, j'ai pas énormément de place, donc c'est compliqué, donc je fais les exos comme je peux, comme mon corps le peut surtout, mais voilà, quand il s'agit de faire des plaquages de pieds là, de planches avec le corps et tout, c'est pas possible, donc je fais soit une planche, soit je travaille, elle a donné des exercices que je préfère pour travailler l'intérieur des cuisses, donc
Je fais ça, je remplace par ce qui est possible avec mon corps, voilà. Bon, bah sur ce, je vais aller me laver et puis me changer, me laver, m'habiller. Et puis je vais faire du montage, voilà. Ma vie est palpitante, franchement, mais je suis contente. Entre le sport, tout ce que j'ai à faire et tout, mes journées sont plus que très 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 bien occupées. Donc voilà, j'ai plein de choses à faire. J'ai envie aussi de faire beaucoup de tri, mais il faut que je me calme, parce que ça va pas être possible. De tout caser dans une journée, c'est impossible. Donc voilà, je vous le dis, les journées sont pas assez longues. Allez, let's go, Pampella Pitik Tunik. Bon bah les gars, on est samedi. Je suis partie. Franchement, très sympa pour faire un peu de sport et tout. Alors, je vais faire moins de kilomètres que d'habitude, parce que j'ai énormément de choses à faire entre j'ai des montages et tout à faire et surtout je refais un tri. Bon, cette fois-ci il sera pas filmé, mais je vais vous faire des points un petit peu réguliers pour vous dire je me sépare de ci, de ça, de ça, de ci, parce que du coup je sais pas mindset, voilà. Bref, on reste motivé en tout cas pour le sport. J'ai pas fait ma séance de pilates au mur encore. Je pense que je vais la faire quand j'entre. Mais Pili Poupiette n'a plus d'herbe fraîche. Ça sèche à une allure. Aussi peu, j'y vais tous les deux jours à peu près. Ouais. J'y suis allée jeudi, j'y retourne aujourd'hui. Donc ouais, tous les deux jours. Donc il le faut pour ces Pili Poupiettes. Mais c'est chiant quoi, ça sèche trop vite. Allez. Et bien évidemment, je prends plus tard si j'ai des choses à vous dire. Et puis, je vous mettrai le nombre de kilomètres quand j'aurai fini. Mais écoute, il fait beau. Il fait pas encore trop chaud d'ailleurs. C'est pour ça que je suis partie assez tôt, entre guillemets. J'ai pas pu partir avant 9h, mais c'est déjà bien. Parce que le temps de s'occuper de tout le monde, etc., etc. Tu peux pas faire mieux. Voilà, c'est le mieux. Mais 9h, c'est bien. 9h, c'est bien. Il fait pas encore trop trop chaud. C'est supportable. Regarde la petite vue qu'on a avec Notre-Dame de France bien ensoleillée. Voilà, écoutez, on reste motivé malgré que ce matin, franchement, je me suis dit non, il faut que j'y aille, je suis obligée. Mais j'étais pas motivée de fou quand même. Hein. On va pas se mentir. Mais une fois que ce que je fais moi pour me motiver, pour être directement prête et tout. Je fais en sorte de prendre directement, à peine levée, je prends directement mes fringues de sport. Comme ça, je me dis, je suis habillée, je fais ce que j'ai à faire à la maison, ranger, m'occuper des monstres, etc. Et puis après, j'y vais directement, quoi. Première petite goutte qui perle sur le visage. Hein. Parce que moi, je suis beaucoup de la nuque et du dos. C'est glamour. Hein. Mais oui, ben, en même temps, c'est le sport. Hein, c'est comme ça. Oui, je voulais vous faire une petite précision sur la marche. C'est-à-dire que, certes, je mets un bon rythme à ma marche. Mais je fais en sorte aussi d'avoir les abdos hyper contractés pour pouvoir les travailler. Et je mets un bon mouvement pour travailler aussi les jambes et tout. Voilà, c'est pas juste une promenade quoi. C'est ça que je voulais vous préciser. Ce qui fait que du coup, on travaille aussi sur la respiration, donc le cardio. Voilà. Décidément, c'est la journée des petites précisions. Et autre précision, c'est quand je fais ce chemin-là. En fait, il y a plusieurs endroits où on peut raccourcir ou allonger le trajet. Ça veut dire que par exemple, quand je suis avec mon bike, pour lui économiser de la batterie, je vais utiliser les chemins les plus courts. Quand je suis en marche genre objectif 10 km, je vais utiliser un peu l'un, un peu l'autre, un peu le chemin plus court, un peu le chemin le plus long. Et quand c'est comme ça qu'aujourd'hui je ne veux pas faire les 10 km, j'utilise tous les chemins les plus longs. Comme ça, ça fera pas les 10 km, c'est sûr. Mais c'est histoire d'allonger un peu. J'ai compris le truc. Voilà. Ça fait du bien, on est bien.
Bon, définitivement, vous allez en avoir ras le cul de ma tronche, mais autre précision, et celle-ci beaucoup plus rigolote. Alors attendez, comment vous expliquer ça? Je suis en train de checker toutes les 5 minutes derrière moi s'il n'y a personne, parce que j'avoue que les culottes sans couture, c'est génial, mais alors pour faire du sport, je suis toujours en train de la redresser. Vous êtes content de le savoir? Avec plaisir. Mais par contre, j'aime vraiment trop quand il n'y a pas trop de monde, que le soleil tape pas trop fort encore, et que on voit tu vois, la nature, on voit les reflets du soleil sur l'eau et tout. Je trouve ça motive vachement, je sais pas pourquoi, mais voilà. Écoute, c'est agréable. J'ai même pu enlever les écouteurs, parce que vraiment, moi, les écouteurs, c'est quand dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a du bruit humain, on va dire, même si c'est un peu inévitable, je mets mes écouteurs. Mais sinon, quand je suis sur le trajet et tout, je les enlève pour écouter les bruits autour et tout. Mais franchement, c'est pas désagréable. Je me suis arrêtée sur ce banc-là pour faire un peu des planches. Je crois que ce fut efficace, hein. Je suis du cul. Si c'était que du cul à la limite. J'ai sué sa grand-mère. Écoute, quelques planches en plus du pilate et de la marche, ça peut pas faire de mal. Voilà, des trous du cul encore et toujours. J'en ai marre des humains, mais j'en ai marre. Ils sont trop mignons. Oh non. Qu'est-ce que tu veux pas que je sois énervée? Regarde, il y a ce chemin, il est séparé en deux parties. Il y a une partie en sable, comme là, tu vois, et il y a une partie en goudron. Moi, j'étais collée sur la toute gauche partie goudron. Il y avait une autre partie goudron, il y avait une autre partie sable sur la droite. Il y a une joggeuse à la con, grosse débile, je lui ai dit aussi peu, qui était pourtant sur le sable et qui a dévié son chemin pour se retrouver pile poil en face de moi. Mais j'ai pas bougé, elle a couru dans l'herbe. Je veux dire, il y a un moment, t'es con ou quoi? Enfin, tu m'as bien vu. T'étais sur le sable, pourquoi tu t'es déporté jusqu'à moi? T'es con ou quoi? Voilà, mais les humains, je peux pas me piffer les humains, putain, c'est pas possible d'être aussi con. Ça m'agace. Ah non, ça m'agace, ça m'énerve. Vraiment, je suis là, je marche. T'es là, tu cours. Pourquoi t'as pas continué sur ton chemin à toi? Pourquoi t'es venu en face de moi, là, pile en face? Là, elle a pas eu d'autre choix que de marcher et de courir dans l'herbe. Hein. Non, mais, enfin, je veux dire, quand t'as décidé d'être con, t'en subis les conséquences. Hein. Oh là là, bon, je suis sur le chemin du retour. Je sais pas si je vous reprends le temps de finir. Mais en tout cas, je vais faire ma séance aussi de pilates au mur. Mais avant ça, je voulais vous mettre ici le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant, on se rentre, pilates. Et pour me motiver, je me suis dit que... Parce que là, j'ai des produits sur mes cheveux. J'ai un masque kératine collagène acide hyaluronique, plus du gel d'aloe vera. Donc pour me motiver, je me suis dit que si je finissais tout ça et tout, j'irai me prendre un petit bain, laver mes cheveux et tout. Donc, on se motive. Je vous jure que à contracter tous les muscles du corps en marchant,
c'est fatigant. Il me reste pas énormément de route à faire là, quelques kilomètres je pense. Mais alors, j'en profite pour relâcher un peu les abdos et les cuisses et les fesses et tout. Mais je vous jure qu'en contractant tout, tu sens que tu bosses. Hein. C'est pas que de la marche quoi. 5 minutes, le temps de boire un coup et tout, et je repars. Je veux pas laisser trop longtemps, mais je dégouline. Puis là, de toute façon, on commence à être envahi par les trous du cul, donc il est temps que je me rentre vite. Ouh, les humains, ouh! Let's go! Séance de pilates au mur terminée, je n'en puis plus! Je n'en puis plus. Je vais me réhydrater bien comme il faut. J'ai fait mes étirements, etc. Tout est fait. Je vais me réhydrater bien comme il faut. Et puis, je ne sais pas quelle heure il est. Peut-être j'ai le temps de boire un thé. Ouais, ça va, 11h30, je peux boire un thé. Et puis, je vais attendre que la chaleur me passe, etc. Et puis, j'irai me laver tout ça, tout ça. Bon, les gars, dernier jour de la semaine pour faire du sport. Hier, j'avoue, j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça fait 2 jours que je suis en tri. J'ai fait les fringues, j'en ai éliminé plein. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, pareil, là, je suis sortie parce que j'ai un colis qui devrait arriver normalement. Donc, je l'attends. Mais je peux vous dire que j'ai fait un gros tri. Là, j'ai sué ma race. C'est comme si j'avais fait du sport. Parce que honnêtement, porter les caisses, etc. Enfin, voilà, voilà c'est pas mal, quoi. Donc, je vais faire ça, pour ainsi dire, toute ma journée, trier, etc. Parce qu'il faut que j'avance aussi. Et ça sera mon sport pour le moment, en tout cas. Parce que... j'ai besoin de me libérer un peu de quelques bricoles et de pouvoir alléger tout mon petit bazar. Donc, je fais ça. Quoi. Donc voilà, je fais ça. C'est mon sport du moment. J'espère que ça vous a plu et que ça vous motive. Encore et toujours, je suis contente de vous motiver, si vous saviez. Et ça me motive que vous soyez motivés. Bref, on se motive tous ensemble. Et on n'abandonne rien, on ne lâche rien. On reste focus sur nos objectifs, n'oubliez jamais. On continue à se soutenir à fond les ballons. Et bah, du coup, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis pour la vidéo sport, la prochaine, à la semaine prochaine. Des gros boutons!